c'est rempli d'émotions. Quand on sort, il y a des flashs qui passent par la tête, tout ce qui s'est passé, les montées, les descentes, les joies, les tristesses. On arrête une belle histoire, on ferme une page, donc forcément il y a toujours de l'émotion. Maintenant, je retiendrai beaucoup de positifs à Virton, j'ai vécu belles choses, 28 ans. Et voilà, mais une page tourne, une autre s'ouvre et faut rester positif. Comprendre, ouais, je suis quelqu'un qui aime bien faire plaisir, donc si quelqu'un me demande quelque chose, je vais le faire volontiers, si je peux le faire, je le fais. Et voilà, c'est la dernière occasion, je pourrais plus le faire après, donc voilà, forcément, ça me dérange pas, et même s'il fallait terminer torse nu, pieds nus, j'aurais fait, donc c'est un problème. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un au revoir à Virton, c'est pas un adieu définitif. On peut jamais dire jamais, non, c'est un au revoir. Après, on ne sait pas de quoi la vie sera faite. Mais voilà, pour le moment, j'ai encore envie de jouer, donc je me trouve autre part parce que j'ai encore envie de jouer. Ouais, un dernier mot, peut-être justement pour votre famille qui vous ont toujours soutenu. On pense à vos parents aussi. Hein. Un grand merci, je les aime. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci.